Bon, salut les loulous, c'est une tentative de vidéo embarquée, live, tout ce que vous voulez. Bon, on est jeudi donc, il doit être pas loin de midi, je sais pas l'heure là-dedans, je garde plus ma montre. J'avais très très peur de cette étape à cause de la tempête et tout. Et en fait, pour l'instant, je suis au kilomètre 27, c'est une étape de bisounours. Voilà, je suis protégé en fait par les talus, c'est un itinéraire qui passe par les petites villes, par les petits villages. C'est très beau en plus, et voilà, c'est cool, c'est plutôt plat, ce qui n'est pas pour gâcher l'expérience. Voilà, ça fait 27 km que je roule, donc j'ai juste l'impression d'être dans mon canapé, à remuer tranquillement les jambes, quoi. L'asphalte, les gars, l'asphalte, c'est un billard. Je sais pas le mec qui s'occupe de ça entre Dieppe et Rouen, mais mon gars, tu vas appeler ton collègue au Pas-de-Calais et tu lui expliques comment tu fais. Parce que juste, il n'y a pas un nid de poule depuis 30 km, j'ai jamais vu ça. Et donc t'avances tranquille, voilà. Bon, c'est un peu con, mais bah, toute cette réflexion, ça me fait dire, grosso modo, là, cette histoire de haies, de talus, etc., c'est l'histoire avec le remembrement et compagnie. Bon, ici, on replante des haies. Et bah, au final, hein, ce qui est bon pour la terre est bon pour l'homme, hein, parce que globalement, ça protège comment on appelle ça, enfin voilà, ça protège la terre arable du vent et de la pluie. Enfin, ça nous protège nous aussi, hein, du vent. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une étape bien bien cool pour l'instant. J'espère que cette vidéo elle a marché. Alors, dans l'itinéraire, il y a une belle descente, mais genre un truc à pic. Je vais essayer de vous la faire. On va voir, hein. On tentera. Je sais pas ce que ça donne au niveau du son, mais on va tenter le coup. Allez, ciao les loulous.